know. Shouldn't be a problem. Bonsoir pour vous en France, puisqu'il est plus de 22h, et bonjour pour nous ici à New York, puisqu'il est un petit peu plus de 4h de l'après-midi, avec un soleil qui tape très très fort en ce moment sur New York et sur le central de Flushing Meadows. Plus de 30 degrés au moment où va donc débuter cette finale de l'US Open, finale du simple messieurs, US Open 1989, entre Ivan Lendl et Boris Becker, qui sont là-bas sur le terrain et qui viennent de choisir en compagnie de l'arbitre, lequel va servir le premier et qui pose maintenant pour la photo officielle. Ivan Lendl et Boris Becker, donc les deux finalistes de cette US Open. Et on pourrait dire, Patrick, que c'est la finale idéale que nous avons ce soir. Lendl, numéro 1 mondial, tête de série numéro 1 bien sûr, et Boris Becker, numéro 2 mondial, tête de série numéro 2. On ne pouvait pas rêver mieux pour le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. Surtout sur la 5, parce qu'au début de l'année, on a vu au championnat d'Australie Lendl en finale contre Miroslav Mesir. On a eu toujours sur la 5 la finale de Wimbledon, Boris Becker contre Stefan Edberg. Donc aujourd'hui, effectivement, la finale de l'année 89, car le vainqueur de ce match, qui va commencer donc dans 4 minutes très exactement, et bien le vainqueur de ce match sera champion du monde 89, sera le meilleur joueur de l'année, même si cela, en cas de victoire de Becker, ne se traduit pas forcément par une place de numéro 1 au classement ATP. Mais dans l'esprit de tout le monde, il est bien évident que l'un des deux joueurs forcément aura remporté ce soir deux des quatre tournois du Grand Chelem, et il sera donc considéré comme le meilleur cette année. Alors la question évidemment, à quel genre de match peut-on s'attendre entre ces deux cogneurs sur une surface qui leur convient bien? Bien sûr, c'est la surface préparée de Lendl, mais Boris Becker a montré également dans ce tournoi qu'il était très à l'aise sur le décoteur de Flushing Meadows. Becker, on l'a dit et répété tout au long de ce tournoi, est une sorte de survivant, parce qu'il a abordé ce tournoi assez fatigué. Il a failli perdre dès le deuxième tour contre Derek Rossagno, en sauvant deux balles de match au tie-break du troisième set. Et en fait, il n'a cessé depuis ce match de s'améliorer, de jouer beaucoup plus relâché. Il a remarquablement bien servi, et tout le travail accompli depuis le début de l'année sur d'autres surfaces, et notamment sur terre battue, eh bien ici, a porté ses fruits, car en améliorant son jeu de jambes, Becker a amélioré sa mobilité, sa régularité de fond de court, et donc il est devenu un joueur beaucoup plus complet. Alors bien évidemment, en face, c'est le joueur qui joue le mieux sur cette surface depuis plusieurs années, puisque comme vous l'avez dit, c'est sa 8e finale à l'US Open. C'est de suite une surface qui convient très très bien au jeu puissant, lourd,
Ivan Lendl qui en a fait une nouvelle fois la démonstration en demi-finale hier contre Agassi. Plus de 20 takes, des coups droits terribles qui ont finalement eu raison d'Agassi, qui l'ont usé. Lendl qui a, et c'est à noter, toujours été ou seulement été battu, lorsqu'il a été battu ici à Flushing Meadows, par des joueurs qui sont parvenus à lui prendre le filet à un certain moment. Des Connors, McEnroe et Vilander l'année dernière qui avait dû transformer son jeu pour venir de plus en plus vers la fin du match, vers l'avant et vers le filet, alors que l'année d'avant, Vilander avait échoué d'extrême justesse en ne prenant pas suffisamment de risques vers l'avant. Alors c'est toute la question aujourd'hui avec Becker, est-ce qu'il sera capable d'être patient en début d'échange ou d'être suffisamment bon serveur en première balle et en deuxième balle également pour aller vers l'avant et imposer sa présence au filet et sa volée comme il l'avait fait au Masters, au Madison Square Garden de New York en décembre 88. Alors Ivan Lendl, 8e finale donc, il en a gagné 3, il en a perdu 4. En revanche, il faut noter que si Becker l'emporte, eh bien ce sera le premier joueur allemand vainqueur ici à Flushing Meadows. L'année dernière, c'était une première pour un Suédois, Mats Wilander. C'est-à-dire que ce serait une première pour un Allemand, seul avant la guerre. Von Kramm était parvenu en finale ici. Et il avait été battu par Donald Budd. Ça ne nous rajeunit pas. Alors qu'aujourd'hui encore, eh bien pour la 4e année de suite, Patrice, c'est une finale sans Américain. 4e finale, 100% européenne. Pourtant, il y en avait deux en demi-finale, deux très jeunes d'ailleurs, un de 22 ans, un de 19 ans, Aaron Sexton et André Agassi. Mais il leur manque quelque chose, il leur manque justement cette puissance et ce registre offensif qui font la différence avec les meilleurs. Alors un absent de cette finale, c'est un joueur comme Edberg, évidemment, qui est le grand battu de cette US Open, car il avait une occasion... Le grand battu de l'année, même, hein ? Oui, de se racheter. Et après sa finale à Paris, après sa finale à Wimbledon, il pensait ici réussir à gagner un titre qui ne lui était pas arrivé en 89, du moins un grand titre. Eh bien, il a échoué. Ben Lendl qui a donc terminé tard ce match par Agassi en finale. Lendl. C'est du costaud, c'est du solide, on le sait, et il a dit que, après, malgré tout, à 100% de ses moyens, malgré le peu de récupération entre les deux matchs, à 100%, pour disputer cette finale qui va donc démarrer dans quelques instants. Et c'est Boris Becker qui a gagné le poste et qui sera le premier à servir. 2h56. C'est la durée du match Agassi-Lendl. Lendl qui a à peu près le même problème et qui se retrouve dans la même situation entre cette demi-finale et cette finale que Steffi Graf après son match très difficile contre Gabriela Sabatini qui s'était terminé très tard vendredi soir et qui donc a eu très peu de temps pour récupérer avant sa finale contre Martina Navratilova. Cela dit, cela ne l'a pas empêché de gagner. Répétons-le, peut-être son plus beau titre du Grand Chelem, car vraiment, elle a dû battre deux super joueuses en demi-finale et en finale pour gagner une nouvelle fois un titre du Grand Chelem. C'était son troisième cette année. Si Boris Becker l'emporte, eh bien ce sera encore un doublé allemand, comme la Wimbledon, le 8 juillet. Et c'est grave, vainqueur chez les dames, et Becker vainqueur chez les messieurs. Et pour Becker, ça serait la première fois dans un tournoi du Grand Chelem, en dehors de Wimbledon. Il a déjà remporté 3 fois. Voilà, il a gagné le toss, il a décidé de servir. Il va servir avec le vent qui souffle aujourd'hui dans un sens différent. Un vent qui devrait nous ramener en fin de journée quelques avions, car... Malheureusement, ce n'est pas de la bonne direction aujourd'hui en ce qui concerne le décollage. Premier jeu du premier set de la finale, service Boris Becker. Oh.
15. Ah, première grosse faute du match pour Becker là sur ce lob raté de Lendl, très court, mais grosse faute. Lendl hier, Becker plus exactement hier, les a sortis chaque fois qu'il a été mené, qu'il en a eu besoin contre Aaron Krikstein. On vient de découvrir sous ce Panama la silhouette de Bob Brett, qui est le coach de Boris Becker. Je ne sais pas si c'est pas quelque chose à la gorge, mais depuis qu'il est entré sur le cours, on l'a vu et entendu surtout plusieurs fois se racler la gorge. C'est-à-dire que l'air conditionné fonctionne au maximum partout, dans les hôtels, dans les bus, dans les voitures, dans les vestiaires. Encore une fois, bien servi. Avantage Becker. Balle d'un jeu zéro. Quand même. Heureusement, c'est pour s'en tirer. Il n'a pas mis longtemps à régler son passing de revers, exactement le même enchaînement, les mêmes séries que l'on avait vu l'autre soir contre Tim Mayotte en quart de finale. Lendl avec une balle de break dans ce premier jeu.
demande une serviette à un ramasseur de balles. Déjà, dans un état de transpiration, aujourd'hui, on va battre des records de changement de chemise. Des tribunes archi pleines, 18 000 spectateurs. Avantage Boris Becker. On va revoir ce service de Becker avec la caméra qui est placée juste au milieu, sous le filet. La voilà. Les caméras. Deuxième double faute dans ce jeu. Égalité. Avantage Becker. Effleurer la balle du bout de la raquette, Lendl. À nouveau avec la caméra centrale. Regardez. Il faut se détendre, rien à faire. Deuxième jeu du premier set au service Ivan Lendl, alors que Becker mène 1-0. C'est 15-0.
une ombrelle et une visière. Ça n'est pas trop aujourd'hui, il faut se protéger. Tout à l'heure, avant le début du match, déjà on a dû évacuer deux ou trois spectateurs qui ne se trouvaient pas bien dans les tribunes. Ivan Lendl, 29 ans, et résident de Greenwich, Connecticut. C'est presque le régional de l'État, Ivan Lendl, parce qu'il peut prendre sa voiture pour venir ici à Flushing Meadows. Il habite à moins d'une heure de voiture du stade. Gaza. Attaque très longue de Boris Becker qui n'hésite pas à monter dans le coup droit. Ce genre de coup qui avait beaucoup gêné Becker avec ce revers glissé coupé. Voilà, huitième finale, il égale le record de Bill Tilden avant bien sûr les années 40. Ce revers coupé de Becker qui avait beaucoup gêné Lendl au Masters en jouant très bas de cette façon. L'empêche de libérer sa force. Oui. Et oui, là c'est bien lu la trajectoire du passing. À la première occasion, à la première balle de service un peu courte de Lendl, Becker n'a pas hésité. Il a pris tout de suite le filet comme il l'avait fait contre nous en quart de finale d'entrée de match. Sale pressing de Becker, mais. Oui, ça fait 30-40 et balle de break pour Becker. C'est la qualité de volleyeur là pour s'arracher. Parvenir à maintenir son équilibre sous la pression de la balle. Attention, encore une deuxième balle de service. Ah non, c'est dans les bâches. Égalité. En fait, dans toutes les statistiques que l'on nous donne, c'est la statistique sur la deuxième balle de service qui est finalement la plus intéressante car on sait que Lendl a un formidable pourcentage de réussite lorsque sa première balle passe, mais c'est sur ses secondes balles qu'il est intéressant de voir son comportement. Hier, il a eu 53% de réussite sur la deuxième balle. Denis Roche, l'entraîneur de Lendl, sa casquette rouge. Et deuxième balle de break pour Becker. Une double faute de Lendl. Yann Kayak. Anthony Quinn. Et Madame Lendl derrière. Mère. Avec les lunettes de soleil là-bas. Let, deuxième balle.
Roland, avantage Becker, nouvelle balle de break. Double faute. Deuxième double faute dans ce jeu d'Ivan Lendl. Il donne le jeu à Becker. 2-0 Boris Becker. Ah oui. Ça fait mal une double faute là pour donner le break d'une façon aussi gratuite à son adversaire d'entrer dans cette finale. Lendl qui démarre aussi crispé. Hein. Hier, on l'avait vu avoir du mal à se libérer en début de match contre Agassi. Même démarrage aujourd'hui. Il n'a pas encore lâché un grand coup. Numéro 15. Un festival de double faute dans ce début de match. C'est la troisième pour Becker. Ouais, c'est moins effectivement du fait que les deux joueurs sont un peu tendus. Voilà ce qu'on vous disait. Boris Becker, depuis 1937, c'est le premier joueur allemand à atteindre la finale de l'Open des États-Unis. Ça, c'est bien jugé. Parce que la balle est pas tomber loin derrière, 10 petits centimètres, bien jugé. Gaza. Allez. 35. 3 doubles fautes, 3 jets pour Becker. Hier, pendant cette demi-finale contre Krikšin, ça a été d'ailleurs tout à fait étonnant de constater que chaque fois qu'il a été mené pratiquement d'un point sur son service, eh bien, il a pu s'en sortir grâce soit à un ace, soit à un service gagnant et un autre derrière pour reprendre le large. Oh, oh là là, elle est donnée bonne. Ouais. Sous l'œil de Becker qui conteste, mais... Le voilà, le grand coup après lequel courait Ivan Lendl depuis le début de la finale. On va le revoir, ce passing dans la course de coup droit le long de la ligne. On suit la balle. Elle semble effectivement sur la ligne. Toujours difficile de revoir ça au ralenti. En tout cas, c'était un coup droit extrêmement difficile à jouer. Alors bien sûr, Becker est juste dessus. Il défend son point, mais 30 à. Ouais. Voilà un coup qui va peut-être libérer Lendl, car depuis 10 minutes, 20 minutes maintenant, il était à la recherche d'un point gagnant. Ça fait deux fois qu'après avoir joué son passing qu'il estime gagnant, il essuie deux volées gagnantes de revers de Becker et il jette un regard d'ailleurs à Becker en comprenant pas tout à fait ce qui vient de lui arriver. Balle de 3-0. Très très bien joué là sur un coup en reculant pris sur lui Lendl. Égalité.
3 jeux de service disputés pour le moment. Monsieur et Madame Lendl, les parents suivants, fidèles à tous les grands rendez-vous, à toutes les finales. Olga et Jiri. Ah, hier, quand ils nous les ont montrés, ils ont mis les prénoms. Avantage Becker. Voilà Martina Navratilova et Anna Mandlikova qui tout à l'heure ont gagné le titre du double dame. Belle association, Navratilova Mandlikova, et un premier titre ici à l'US Open. Et contre son ancienne partenaire. Oui, Pam Shriver, associée à Marie-Jo Fernandez. Largement dehors, et je, Maurice Becker, qui se détache donc dans ce premier set, 3-0, 3 jeux disputés, nous le disions, et pour le moment donc, net avantage à Maurice Becker. Il a plus de réussite, il joue plus décontracté, car on l'a vu, Lendl n'est pas capable de saisir les occasions qu'il a, son jeu de service, il l'a perdu sur une double faute. Il a raté, là on vient de le voir, un smash relativement facile. La réussite n'est pour l'instant pas de son côté. Becker qui pense à s'alimenter, vous voyez, pendant ce temps de repos, même au début du match. Ouais, et puis sûrement à prendre des pastilles de sel, de sodium, de potassium, magnésium, car l'élimination aujourd'hui va être terrible, c'est un temps à perdre plusieurs kilos et il faut être très précautionneux sinon on ne veut pas étuyer un coup de pompe. Et tout le monde est prévenu maintenant, on a vu les accidents qui sont survenus à Steffi Graf, à Jimmy Connors, à Jay Berger. Alors les joueurs maintenant font attention avec ce soleil qui cogne très fort sur ce cimbello, cette surface qui brûle les pieds. Cocotte minute, il faut vraiment penser à tout. 3-0 donc, premier set de la finale. Maurice Becker, Lendl au service. Ouais. Becker qui était prêt à retourner mais qui retourne vers sa chaise. Mondial, 80 titres gagnés en simple, plus de 14 millions de dollars de gains, raquette en main. Au compte du dollar, ça fait plus de 10 milliards de centimes. Ah, il avait du bon sa balle, Lendl. Et non, 15 ans. Lendl a entendu parler du match de Becker contre Noah. Il sait que le passing de revers arrive 9 fois sur 10 le long de la ligne. Là, visiblement, il avait retenu la leçon car il était parti bien avant pour anticiper.
45. Anaïs pour conclure ce jeu. Et le premier du match, Van Lendl, qui revient donc à 3 jeux 1 dans ce premier set. Délibéré dans ce quatrième jeu, Lendl, il a joué beaucoup mieux. L'adresse du juge de ligne qui a annoncé faute, car certains croyaient que c'est un ace de Becker. Les frappes de Lendl commencent à être mieux centrées. C'est plus lourd car là, sur ce service canon, il a retourné avec une violence terrible. Et dans l'échange, pour la première fois, c'est Becker qui a craqué. Allez, deux fois Becker avait cru faire le point, mais la puissance de la foulée de Lendl et comme les pas se raccourcissent au moment d'arriver sur la frappe pour essayer d'être le mieux placé possible. Becker qui ne... Ouais. 15-40. Il refait dans le vide son mouvement, mais le poignet n'a pas tenu sous la violence du coup droit de Lendl. Regardez. Mais tout ce qu'il a, et on voit très bien la main de Becker qui flanche un peu, le poignet qui s'ouvre. Lendl avec deux balles pour revenir à 3-2. Pas celle-là. 30-40. Et après avoir été distancié en début de match, 3-0, recolle maintenant et revient à 3-2.
Retour sur le cours central de Flushing Meadow. Avec ici une vue aérienne de tous les cours de Flushing Meadow, le grand stand que vous apercevez au premier plan et derrière le cratère du central, plein jusqu'à ras-bord. 18 000 spectateurs. Debout, Fabrice, pendant les changements de côté, ce que nous avons fait aussi parce que le speaker a demandé, étant donné qu'il fait très chaud et que les spectateurs risquent une insolation, eh bien il leur a conseillé de se lever, de lever les bras au-dessus de leur tête, de faire quelques mouvements de stretching pour se décontracter et pour ne pas être victime d'une insolation. Et tout le monde l'a fait. Ivan Lendl au service pour tenter d'égaliser 3 jeux partout, premier set. Point.
gagnés contre 3 perdus pour Landl sur ses approches au filet. Beaucoup plus pour Becker, mais pas celui-là. Là, il échoue. Et il donne le jeu à Landl qui égalise 3 partout. Chacun a eu sa période dans cette première partie du premier set. Landl crispé a dû concéder un break d'entrée à Becker, mais à partir du jeu de 3-0, Landl s'est mis à jouer d'une façon plus régulière, plus consistante. Et le voilà qui recolle. Landl qui a gagné 22 fois sur les 30 fois dans sa carrière où il a gagné des finales de tournoi. Non, non. 0-15. Maintenant c'est Becker qui excentre. Hein. On a l'impression qu'il a déjà eu un petit coup de chaud, qu'il a eu un fléchissement. Et il faut absolument qu'il s'en remette, qu'il retrouve un deuxième souffle. Il est moins précis qu'il ne l'était il y a environ 20 minutes. Une double faute de Boris Becker. Un run 16, spectateur du match, battu par Boris Becker en demi-finale. En 3-7. Mais c'était la première fois que Krikštín atteignait les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem. Très difficile de rejouer croisé de l'endroit où se trouvait Ivan Landl car il avait la balle vraiment derrière lui. Mais comme sur le coup précédent, on s'en souvient, il avait joué un passing dans la course le long de la ligne. Cette fois-ci, regardez, Becker était resté petit côté pour couper la trajectoire du passing le long de la ligne, obligeant Landl à changer au dernier moment. Ah, c'est Landl qui est le patron du jeu en ce moment. Il a pris la direction de l'échange.
15-40. Intéressant aussi de le voir soigner son retour de service, s'allonger sur la balle. Lorsque Becker ne suit pas son service au filet, il neutralise tranquillement au centre, en fond de cours, et ensuite, c'est lui qui prend la direction du mouvement. Balle de break dans ce septième jeu. Non. Ah, il avait eu le temps de se tourner pour ajuster, il a attendu au dernier moment. On sent que le bluff de Becker à la volée est un joueur qui bouge beaucoup, qui essaie d'intimider le passeur, le gêne un petit peu. En 40, et encore une balle de break. Et là, Becker a gagné le point parce que sa première balle est passée. Il en a impérativement besoin. Premier point sur les balles de service, point gagné 18 contre 13 sur les premières balles. Oh. La zone n'en revient pas, elle est restée sur la ligne. Cette balle, elle a flotté dans l'air, elle n'était pas très bien contrôlée. Comme le retour de l'Handle, échange bizarre. Là. Égalité. Dans la ligne. Pratiquement trois quarts d'heure et on a joué que 6 jeux et 10 points. Rythme super lent. Becker. Il faut vraiment qu'il réalise des prouesses hein, à la volée pour contenir les passings. Mais la qualité de ce passing, volée amorti de Becker, et Handle arrivera trop tard. Car il veut tellement soigner son passing qu'il le joue pied au sol. Et derrière, il y a un petit temps de décalage dans le démarrage. C'est Becker qui a une balle pour mener 4 au jeu 3. Et jeu Boris Becker en difficulté sur son service, mais qui finit par le remporter. Pour mener donc 4 jeux à 3 dans le premier set de cette finale de l'US Open. Retour à Flushing Meadows avec Ivan Lendl
Il va servir alors qu'il est mené 4-2-3 dans ce premier set face à Boris Becker. Elle est fausse, mais il s'en veut d'avoir raté surtout une belle occasion. C'était une bonne attaque, il y avait toutes les chances de faire le point. Ça donnait une balle de 5-3, tandis que là, c'est une balle d'égalisation à 4 jeux partout. Voilà. Et je l'appelle, 4 partout dans ce premier set. La tribune de presse, la télévision, voilà, coucou, c'est nous là. Tout en haut du stade.
quel point! Bon mot applaudi par le public. Rente 0. Toujours en déséquilibre, mais dans cette phase de déséquilibre, il parvient toujours, Becker, à retrouver le sens du point. Il ne subit jamais, la tête reste droite, il garde sa vision du jeu. Bob Brest, sous son chapeau, l'entraîneur de Becker. Non, elle est faute. Elle est faute. Elle aurait été bonne, mais elle a heurté la bande du filet au passage et c'est ce qui l'a emmené dehors. 35. Car c'était bien joué dans le dos du replacement de Lendl. Lendl qui avait couvert le terrain le long de la ligne. René pour faire le jeu et pour mener 5-4 dans le premier set. Boris Becker qui mène donc 5 jeux à 4 dans cette première manche. Lendl va servir et Lendl doit impérativement, pour lui, gagner son service. Il veut que ce premier set se prolonge. Lendl, comme de coutume, a changé de raquette après 9 jeux. On en a sorti une nouvelle du plastique. Ouais. Avec donc une raquette neuve, balle neuve, Lendl au service dans ce premier set. Yeah.
fiancé de Boris Becker. Cette fois-ci, il a eu tout le temps de se décaler, de tourner son revers et d'ajuster. 30-0. Coup de bluff qui n'a pas marché, qui n'a pas pris sur le premier, sur sa première balle de service. Il a gagné 19 points contre 13 perdus. Pendel. Et un jeu de service facilement gagné. Beaucoup plus facilement que les précédents. Pour revenir à 5 partout dans le premier set. Premier set très équilibré. Un break au début pour Becker qui a mené 3-0. Et puis Lendl est vite revenu. 59 minutes qu'a débuté cette finale. 5 jeux partout. Numéro 15. Ça c'est très bien varié en retour de service. C'est ce que certains joueurs ne font pas suffisamment. Ils cherchent toujours à taper très fort leur retour. Eh bien, ça paye de retourner comme ça de temps en temps doucement dans les pieds. Il y a le service en deux temps, l'attaque en deux temps. Il y a le retour en deux temps également. Chip dans les pieds, and charge. Comme ça que disent les Américains. Gaza. Yann Kiriak. Net première balle. Une double faute de Boris Becker. Ça commence 4-30. À faire beaucoup, hein. Eh oui. Ça commence à faire beaucoup. C'est la cinquième. En faute 4. Hey. Ça, et Lendl a vu cette balle haute. Vous me dites que vous avez vu cette balle bonne. I'm just asking how he throw the ball, not if he goes to the machine. I'm asking how he throw the ball. Je lui demande simplement comment il a vu la balle et pas comme la machine l'a annoncé. Mais monsieur Leconto de Gladstone en Alabama
qui arbitre pour la première fois une finale d'un tournoi du Grand Chelem. Voilà la machine qui est donc en pause, le fameux radar. Et le juge de ligne n'a pas voulu entrer dans la conversation avec Lendl, il a dit adressez-vous à l'arbitre. Impossible de déceler. Trop vite, hein. Et ça fait 30 ans. Pourcentage de première balle de service, 61% pour Lendl, 50% pour Becker, 8 sur 2. Ivan Lendl qui va servir alors qu'il est mené dans ce premier set, 6 jeux à 5. Comme tout à l'heure donc, Lendl a le besoin impératif de remporter son service. Sinon, ça signifierait du même coup la perte du premier set. Ouais. Voilà, Becker qui avait oublié de changer de poignée éponge. Il est vite reparti en courant en laissant même sa raquette sur le terrain. Ouais, ouais. Car il ne veut pas se faire pénaliser pour dépassement du temps autorisé entre les changements de jeu. Je rappelle que c'est un gros changement qui sera effectué à partir de 1990 sur les tournois de l'ATP Tour. On n'aura plus droit qu'à 25 secondes au lieu de 30 entre les points et il y aura à la fin des sets lorsque le nombre des jeux sera pair, il y aura un repos de 90 secondes. Un set qui se terminerait par exemple à 7-5. Il y en octroiera 90 secondes aux joueurs pour récupérer. 7-5-0. Est-ce qu'on fera la même chose dans les tournois du Grand Chelem? Il n'y aura pas deux lois différentes. C'est une bonne question et la Fédération internationale est en train de réfléchir pour essayer d'harmoniser, ah oui, évidemment, tous les plus grand tournoi du circuit, car ces règles, pour l'instant, ne seront appliquées que dans les tournois de l'ATP Tour. Par exemple à Bercy et pas à Roland-Garros. Il a raison Becker d'essayer, il mène 6-5, il sait que de toute façon même s'il perd ce jeu, le premier set se jouera au tie-break, il faut prendre des risques, c'est le moment,
30-0 sur le service de Lendl. On entend les chaussures hein, des joueurs crissés sur Simon, je me souviens des pieds de Boris Becker. Voilà Lendl qui a gagné 33 des 34 derniers matchs à l'US Open. Et contre Villander l'an dernier en finale. Et les pieds de Becker après sa finale du Master, il ne pouvait plus marcher. Lendl l'avait tellement fait courir qu'il avait la plante des pieds brûlée. Voilà la prise au service de Lendl, une prise de revers. Et l'attaque en deux temps. Et de Lendl. Et donc, tie break dans ce premier set de la finale, très très disputé donc. Logique que ce premier set se joue au tie break, il a été très équilibré. Chacun à son tour a aligné trois jeux consécutifs. On a joué commencé à jouer depuis 1h10 et tout va maintenant se jouer dans ce tie break, premier à 7 points avec 2 points d'écart. Dernier tie break entre les deux joueurs dans la demi-finale de Wimbledon. Et bien c'est Ivan Lendl qui l'avait gagné. C'est lui qui fait le mini break d'entrée. Et Becker a eu un terrible tie break lui au deuxième tour contre l'américain Rostagno. Ce jour-là, il a bien failli se retrouver poussé à la porte de l'US Open. Attaque à contre-temps de Becker, que c'est bien joué. C'est très très bien joué à ce moment du match. 3-0 de tenter ce genre de coup. Il est monté alors que Lendl ne le voyait plus dans son rétroviseur. Là, il a bien pris le filet au bon moment. Voilà. Il a fait le trou. Et c'est encore à lui de servir. La maman de Lendl, l'entraîneur de Lendl, la fiancée.
Tony Roche, qui n'est plus le seul sparring partner et entraîneur de Lendl, car il s'entraîne souvent avec Simpson, le néo-zélandais, Jeb Simpson et Chris Lewis, également néo-zélandais, finaliste à Wimbledon. Voilà, ça frappe très très fort là. Et ce détail du côté de Becker, 5-0, ce qui donne le sourire à Karen, sa fiancée. 5-0. Un tie-break mené au patcher par Boris Becker. On change de côté. Qui a gagné 8 tie-breaks à l'US Open. Il n'en a perdu que 3. Celui-là est en tout cas mal engagé. Magnifique à l'issue de ce long échange, une belle attaque glissée de Becker et un superbe passing de revers de Lendl, les pieds parfaitement en ligne, bien dans sa trajectoire. 5-2. Becker, 9 tie-break à l'US Open, 6 gagnés, 3 perdus. Ah, cette fois-ci, il la joue à contre-pied. Et ici, une balle de premier set pour Boris Becker, 6 points à 2 tie-break. Cette fois-ci, il a vu que Lendl s'engageait pour la volée le long de la ligne. Eh bien, il a choisi le contre-pied. 4 balles de 7 pour Becker maintenant dans ce tie-break. Bob Brett, imperturbable, son grand chapeau. C'est du bruit sa première balle, hein. Ah oui, il a vraiment passé la vitesse au-dessus dans ce tie-break. Et il remporte le premier set pour Boris Becker. 22 à 6. Et 7 points à 2 dans le tie-break. 1 set à rien. Donc, Boris Becker face à Ivan Lendl dans cette finale de l'US Open. Time.
centrale de Flushing Meadows. Où donc Ivan Lendl se retrouve maintenant mené 1-7 à rien. Il a perdu le premier au tie-break. 7 points dominés dans ce tie-break, Ivan Lendl. 7 points à 2. Démarrage très rapide dans ce tie-break de Boris Becker. Et ce qui est intéressant à noter dans le comportement de Becker dans cette partie, c'est que lorsqu'il a vraiment besoin d'un point, jusqu'à présent, il l'a trouvé ce point. Il est allé le chercher. Lorsque Lendl est revenu, qu'il a mené 15-40 sur son service, à ce moment-là, il a été capable de passer la vitesse au-dessus. Et là, dans ce tie-break également. Et c'est une constante dans le jeu de Becker depuis le début du tournoi. On a l'impression qu'il est un peu fatigué, qu'il est plus lent, qu'il n'est pas vraiment dans la partie. Mais en fait, quand le score devient capital, eh bien, c'est un autre joueur qui se met en route. Il faut s'habituer à ce comportement différent, à cette attitude différente de Boris Becker par rapport à ce qu'il était lorsqu'il avait 17 ou 18 ans. Il était beaucoup plus excité en permanence. Mais on en a encore un exemple au cours d'un échange comme ça. Il joue très relâché. Il joue des coups qui sont très longs, qui neutralisent. Et le premier point du deuxième set est pour Becker. 0-15 sur service Lendl. Casa. Lendl à l'US Open, lorsqu'il a perdu le premier set, et bien 10 fois sur 11, il a perdu le match. Et Becker, lui, lorsqu'il a gagné le premier set, et bien 15 fois sur 7, il a ensuite remporté le match. Nous verrons si ces indications, si ces statistiques se vérifient tout à l'heure. Des deux côtés. Pour ceux qui aiment le coup droit, on intérêt à brancher le magnétoscope hein, ce soir. 45. Lendl, le remportant des jeux du deuxième set, 1 jeu 0, Lendl. Chaud maintenant sur le central de Flushing Meadows.
sera bientôt 6h du soir, le soleil commence à décliner, le cours est complètement à l'ombre, la qualité du jeu ne peut qu'y gagner, car tout à l'heure c'était une véritable étuve. La finale a débuté peu après 4h de l'après-midi. Laurie Becker au service. Mendel, 1 jeu 0, deuxième set. Lendl qui n'a gagné qu'une fois dans les 7 finales précédentes lorsqu'il a perdu le premier set. C'était il y a 2 ans contre Vilander, justement quand il avait perdu le premier set au tie-break. 7-6, ensuite il avait gagné 6-0, 7-6, 6-4. Un ace pour commencer pour Boris Becker, 15-0. Encore un aïe. 40-0. On est à la demi-douzaine. Jeu blanc et un partout dans ce deuxième set. Chacun vient de gagner assez confortablement son service. Alors que là, le monsieur qui devait persister, l'ancien entraîneur de Boris Becker, Günther Bosch, voilà qui commente le match pour la télévision allemande. C'est 15-0. Mendel. Lendl, lui aussi, jeu blanc, 40-0 pour mener 2-1 dans ce deuxième set, un début de deuxième set.
chaque joueur donne l'impression de vouloir reprendre un petit peu son souffle après une première manche très disputée, terminée au tie-break. Et chacun donc gagne facilement son service, 2-1, Ivan Lendl. Va servir. Il attend que le calme soit revenu car pendant la minute 30 de repos, le spectateur en a profité pour se dégourdir un petit peu les jambes, pour aller se rafraîchir. Donc tout le monde n'a pas encore regagné sa place. Mais parce qu'il est près de 18h à New York, mais il fait toujours aussi chaud, aussi humide, même si le cours maintenant est à l'ombre. C'est ce qui explique que par moment, les deux joueurs éprouvent un petit peu le besoin de souffler, même si la bagarre est toujours aussi équilibrée et intense. 15-0. Dans le face-à-face entre les deux joueurs, eh bien... Le vainqueur du premier set a gagné 9 fois sur 13. Oui, mais on l'a vu dès le départ. Hein. Son lancer de balle était complètement sur sa gauche et en arrière. Il a perdu le contrôle de son rythme de service dès le début du mouvement. Beaucoup de double fautes, Becker. Oui. Beaucoup. 15 à... Dernier mot, quel point! Et un plongeon pour rien de Becker, le public qui se lève pour applaudir, et ça formidable! Ce qu'il faut faire pour passer Becker à la volée, c'est prodigieux, car là, regardez le coup réflexe de Becker qui va repousser Lendl au fond, smash retourné, et finalement, un coup droit à croisé terrible, un plongeon de Becker. Étonnant même de la part de Lendl de le voir faire ce coup et cette exubérance à la fin du mouvement. Et oui, c'est un point important, 15-40. 15-40, balle pour mener 3 jeux à 1.
dans ce deuxième set. Gaillac. Ah, superbe Lendl, oui. Dans ce jeu. Voilà, Lendl qui vraiment a très bien joué dans ce jeu, notamment le point précédent, le point qui lui a permis de s'ouvrir le chemin du break. Et Lendl donc qui mène 3-2-1 dans le deuxième set. Nous allons quitter quelques instants Flushing Meadows et la finale de l'US Open, le temps de retourner à Paris pour suivre les dernières informations. Le minuit pile sur la 5 en compagnie de Bernard Vaillot. A tout à l'heure à Flushing Meadows. Retour sur le central de Flushing Meadows, Ivan Lendl au service, 35, 3-1, deuxième manche en faveur de Lendl. Oh, 45, balle pour mener maintenant 4-1. Joe Lendl, il se dépasse dans ce deuxième set. 4-1 maintenant. C'est le break au bon moment, Ivan Lendl. Et lorsqu'on regarde, Fabrice, les statistiques du premier set, on s'aperçoit finalement que, bien que Becker ait remporté, ce set au tie-break et assez facilement dans le tie-break, en fait, toutes les statistiques montrent que Lendl avait été supérieur au cours du set. Il avait mieux servi en première balle, 58% contre 54. Il avait gagné davantage de points sur sa première balle de service que Becker et surtout beaucoup plus de points sur ses secondes balles de service. Il avait peut-être servi moins d'aigle. Il avait donc été plus régulier, plus constant. Mais cela n'avait pas suffi. Ayant concédé un service d'entrée, il a dû rattraper Becker. Il n'a pas pu lui reprendre un jeu de service, bien qu'ayant eu des balles de break. Et il a mal joué le tie-break, c'est un fait.
alors que Becker, lui, a su très très bien négocier ce moment important. Mais là, on l'a vu, Lendl au début du deuxième set, plus précis, qui n'a absolument pas relâché son rythme de jeu. Et Van Lendl, donc, qui domine une bonne situation dans cette deuxième manche. 4 jeux à 1. Et service Boris Becker. 5-5. Encore une double faute. 35. La conscience du travail bien fait hein, sur la tête de Lendl, là, content de son coup droit. Et hop quoi, il est bien parti. Croisé, là, j'ai même tenté un au début de ce jeu. Ah, il domine maintenant. Becker ne parvient plus à volleyer suffisamment compact, suffisamment long pour se protéger des passings. Balle de break. Et balle de double break même. On menait 5 jeux à 1. Becker, ouais. C'est Fidoche. Et Lendl, il se détache dans ce deuxième set, 5-1. Deux fois, il a pris le service de Becker. C'est à lui de servir maintenant. Et il va servir pour le set, Ivan Lendl, pour égaliser éventuellement à une manche partout. Il relancerait cette finale. Lendl qui n'a perdu que 2 points. Sur son service depuis le début du deuxième set.
domination très nette, hein, très nette en ce moment. D'une part, il ne fait plus de faute, comme vous venez de constater, mais surtout en face, Becker ne joue plus du tout le même tennis, plus la même qualité physique dans ses frappes et la même concentration. L'arbitre. Et dehors, 40-0, balle de 7. J'avais vraiment même l'impression que Becker ne cherche plus à faire d'efforts. Il a abandonné l'idée de gagner ce second set dans ce jeu. Balle d'égalisation, un set partout. Voilà, c'est fait pour Lendl. Oui, il remporte donc très facilement le deuxième set. Il aura duré une petite demi-heure, beaucoup moins longtemps donc que la première manche qui avait duré 1h15. Et tout est à faire maintenant dans cette finale. 1-7 partout, 7-6 première manche, Becker, 6-1 Lendl, deuxième manche. Après avoir perdu le premier set. Facile dans le deuxième, Lendl, 6-1. Alors que Becker a nettement baissé de pied, c'est un petit peu désagrégé son jeu. Hein. On ne s'imagine pas toujours la difficulté qu'il y a à remporter un set contre Ivan Lendl. Très très difficile de tenir contre lui. C'est un joueur remarquablement précis et entraîné. Sur cette surface, tenir le rythme contre lui, c'est vraiment une gageure. Et là, net fléchissement de Boris Becker. On l'avait vu arriver à donner tout ce qu'il avait dans le ventre au moment du tie-break, mais après, 5-10 minutes après cet effort, une défaillance dont a tout de suite profité Lendl et puis surtout une carence au service chez Boris Becker. Beaucoup moins de premières balles, beaucoup moins de points facilement gagnés. Premier jeu du troisième set, service Becker. De revers d'Edberg, mais celle de Becker dans un style différent.
vertu de l'attaque au centre, longue sur le joueur. Un jeu 0, troisième set, Maurice Becker. Alors comme à la fin de chaque set, on fait un petit point avec les statistiques qui nous sont remis, on s'aperçoit que finalement tout est logique. Pourcentage de premier service chez Yvan Lendl au deuxième set, 61%, 40% seulement chez Becker, alors qu'il était à 54% au premier set.